Rabbeinu Nachman, Rabbeinu Nachman befeige. Rabbeinu Nachman, Rabbeinu Nachman befeige. Ashreinu, Ashreinu shezochinu. Rabbeinu Nachman befeige. Rabbeinu Nachman, Rabbeinu Nachman. À tous et à toutes, Bézat Hachem, qu'on ait tous et toutes une excellente semaine, Bézat Hachem. On se prépare pour Elul, Shabbat prochain, ça va être au chaud de chez Elul, Bézat Hachem. Alors, toujours avec Rav Ephraim, sur Eretz Israël, et Mina Shamaim, il parle ici de Elul. Et avec ça, on aura fini aussi l'étude de. Avec Rav Ephraim sur Eretz Israël. Après, on continuera toujours sur Eretz Israël, Bezat Hashem, avec d'autres livres, Breslev, Bezat Hashem. Alors, il explique ici que quand Avraham Avinu, il a envoyé Eliezer pour chercher une femme pour Yitzhak, alors il lui a donné le secret des Kavanot de Elul. Il lui a dit, si maintenant la femme, elle ne veut pas venir avec toi, alors il lui a dit que Imlotove Aisha la Lechet, si la femme, elle ne veut pas venir, les premières lettres, c'est Elul. Avec ça, il lui a donné le secret que les Kavanot de Elul, c'est-à-dire le sens du mois d'Elul, c'est fait pour trouver le Zivou, c'est-à-dire avec ça, on trouve son partenaire. Pourquoi ? Parce que Rabbeinu l'explique que pourquoi on n'arrive pas à trouver son conjoint, ou même quand on l'a trouvé, on n'arrive pas à se trouver, on n'arrive pas à s'entendre. C'est parce qu'il y a un problème d'alliance. L'alliance avec Hachem, c'est elle qui fait l'alliance avec tout ce qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire que quand quelqu'un il a un problème d'alliance avec Hachem, alors il a un problème automatiquement d'alliance avec son conjoint. Alors, soit il la trouve pas, soit quand il la trouve, ils ne s'entendent pas, soit quand ils sont ensemble, mais ils sont comme des voisins, ils n'ont pas de rapport vraiment entre eux qui soit profond. C'est des niveaux de réparation de l'alliance. Plus l'alliance, elle est forte, et plus il y a du shalom bayit et plus on arrive à trouver son conjoint. Donc Rabbeinu, il a donné ses kavanot de Elul dans la Torah. C'est la Torah Paz dans l'écouté Moharon. C'est la Torah 87. Et elle ramène à la Torah 6 du l'écouté Moharon qui parle spécialement des kavanot de Elul, c'est-à-dire du sens profond de ce que ça veut dire Elul, et d'étudier cette Torah. Rabbeinu dit d'étudier cette Torah et de faire quelque chose avec, alors c'est sûr que ça va aider pour cette chose-là. Alors ici, Rav Ephraim rapporte ce union-là en disant que Eretz Israël, Rabbeinu rapporte dans l'écouté Moharon, que Eretz Israël, c'est en soi-même, c'est une grande réparation de l'alliance, le fait de vivre en Eretz Israël, d'être attaché à Eretz Israël, de vivre en Eretz Israël, c'est une grande réparation de l'alliance. Donc, quand quelqu'un il est en Eretz Israël, alors c'est beaucoup plus facile pour trouver son conjoint, c'est plus facile pour le Shalom Bayit, c'est plus facile pour tout ce qui est notion d'alliance. Et aussi, bien sûr, la réparation que Rabbeinu a donnée, le Tikkun HaKlali, que ça répare l'alliance. Alors, automatiquement, ça va permettre de trouver son conjoint beaucoup plus facilement. Donc en Eretz Israël, comme il y a une providence très forte, donc il y a une plus grande évidence de la présence divine, donc l'alliance elle est plus facile, c'est-à-dire du fait qu'il y a une conscience plus ouverte de la présence d'Hachem, ça même c'est une grande réparation de l'alliance. Alors c'est ce qu'il rapporte. Et ici, il dit qu'en Eretz Israël, quand quelqu'un se mariait, on lui disait, tu sais, que ça aille bien avec ta femme ou que ça aille pas bien, ne te fais pas de soucis, tu peux danser.
Pourquoi ? Parce que même si ça ne va pas bien, ça va s'arranger. Parce que la terre d'Israël, elle crée un lien tellement fort entre Hachem et la personne que automatiquement ça va influencer sur le zivug, c'est-à-dire du lien entre l'homme et la femme. Puisque le rapport entre un homme et une femme, c'est l'origine d'un homme et d'une femme. Leur âme, c'est une seule âme. Seulement quand elle descend dans le monde, elle se sépare entre un homme et une femme. Mais l'origine, c'est Echad, c'est une seule âme. Comme à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il y a à Kadosh Baruch Hu, la partie d'Hachem qui est en haut, et la partie d'en bas qui s'appelle la Shrina. Alors toujours quand on fait une mitzvah, on dit les Shem Yichud, c'est-à-dire pour unir la partie d'en haut d'Hachem avec la partie d'en bas d'Hachem. La partie d'en haut d'Hachem, c'est l'homme. La partie d'en bas d'Hachem, c'est la femme. Donc maintenant, quand on se trouve dans un pays où la partie d'en bas d'Hachem, elle est tellement révélée qu'on a conscience de la partie d'en haut d'Hachem, donc ça crée un lien dans la conscience entre le côté de la Emouna dans Hachem en haut et l'évidence d'Hachem sur le terrain, c'est-à-dire dans l'Ashgacha Pratit. Donc ça même, ça aide, c'est quelque chose qui va aider, qui va réparer le problème de trouver son conjoint, d'avoir de Shalom Bayit Bezant Hachem. Alors voilà, je vous souhaite à tous et à toutes Bezant Hachem. On se prépare à ce mois des Loul et que ce soit une réparation de l'alliance générale, c'est-à-dire qu'on arrive tous à se lier avec Hachem Be'emet, c'est-à-dire vraiment créer un lien avec une discussion avec lui tous les jours, un moment de prise de conscience de son existence, avec tout le bien qu'il nous fait, tout ce que Hachem y fait dans le monde. Prendre conscience de notre vie, ce qu'on est en train de faire dans ce monde. Et ça, Bezant Hachem, ça amène toutes les brachot. Quand on répare l'alliance, c'est tout est réparé. Donc le Tikkun HaKlali, bien sûr, c'est une réparation générale pour ça. De le faire tous les jours, ça aide. Ceux qui ne savent pas lire en hébreu, de faire en français aussi, ça aide. Et même si quelqu'un n'est pas juif, il peut le faire, ça aide aussi. Ça aide tout le monde, les hommes, les femmes, les juifs, les non-juifs, tout le monde. C'est une réparation générale, c'est un principe très très grand que Rabbi Nachman il a révélé. Alors, Bezrat Hashem, je souhaite à tous et à toutes, Bezrat Hashem, que des bonnes choses. Et une bonne semaine dans la joie, Bezrat Hashem. Une bonne préparation pour Elul et on est en route, Bezrat Hashem, pour Rosh Hashanah. Alors voilà, d'ici, depuis le tombeau de Rabbi Nachman, ici, voilà, que Bezrat Hashem, Rabbi Nachman, il vous bénisse à tous et à toutes. Que vous ayez que de la satisfaction et de la joie, aucun souci, aucun problème, aucun stress, aucune angoisse. Que tout ce soit dans la tranquillité, Bezrat Hashem. Alors je vous souhaite une bonne semaine. Alors je vais lancer le tambour pour vous. Voilà, il commence à y avoir un peu plus de monde. Les gens commencent à arriver. Et pour le mois de Elul, il y en a qui restent là tout le mois de Elul. Et c'est le préparatif pour Rosh Hashanah, Bezant Hashem. Voilà, que le mérite de Rabbi Nachman soit avec vous, Bezrat Hashem. Que vous bénissez à tous et à toutes, Bezrat Hashem, qui ont des bonnes nouvelles.